Bonjour à tous, petits et grands, et bienvenue dans l'émission de La Maîtresse Parent Live. J'espère, les enfants, que je ne vous ai pas trop manqué ce week-end. Moi, je vous avoue que si, vous m'avez un petit peu manqué, mais moi j'ai pu réaliser le défi que je vous avais proposé, et puis je vous ai préparé plein de petites surprises. Si vous regardez bien ma classe, il y a des poules, des coqs, des lapins, des poussins qui sont apparus dans ma classe. Et mais oui, parce que cette semaine, nous allons travailler sur Pâques. Mais je ne vous en dis pas plus. Par contre, donc, pour les nouveaux qui nous rejoignent, les parents et les enfants, un petit point sur le concept de cette émission. C'est une émission qui s'adresse pour des enfants de 3 à 6 ans, donc toute la maternelle, de la petite à la grande section. Une émission diffusée tous les jours d'école, lundi, mardi, jeudi et vendredi à 15h en direct. Ou si vous n'avez pas pu le voir en direct, vous pouvez la regarder en replay. Et cette émission est composée de 4 temps forts. Un temps de rituel où on voit la date, la météo pour donner des repères à vos enfants. Un temps d'histoire. Un temps d'atelier que vous pouvez faire en simultané. Je donnerai toujours le matériel en avance pour que vous puissiez préparer le matériel. Et on finit en chanson. Et bien, sans plus tarder les enfants, passons au rituel. De retour, avant de commencer les rituels, je vais quand même vous montrer le défi que j'ai réalisé. Et oui, je vous avais demandé de trier les couleurs. Donc moi, j'ai pris des perles et j'ai trié toutes les perles rouges ensemble, toutes les bleues ensemble, toutes les vertes et toutes les jaunes. Voilà. Et j'ai vu des photos, j'en ai vu qui avaient fait des grandes tours avec des cubes, qui avaient trié des paillettes. Donc merci bien pour vos photos. Et n'hésitez pas à mettre vos photos dans le Discord, vous pouvez flouter la tête de votre enfant, il n'y a pas de souci. Ou sinon, ne mettez que leur production. Et bien, je vais me diriger vers le petit train. Et si vous, vous avez aussi votre petit train à la maison, n'hésitez pas à y aller. Et d'ailleurs, le matin, vous pouvez faire la date le matin. Et après, on vérifie l'après-midi tous ensemble. Allez, on va d'abord redire les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et tiens, il y a quelque chose encore de nouveau. Je vous avais dit, je vous réserve plein de nouvelles surprises. J'ai mis un nouveau calendrier, le calendrier d'avril, pour qu'on puisse mieux s'y retrouver. Et je vais cocher, une fois qu'on aura vu le jour d'aujourd'hui, je cocherai la bonne case. Donc ça, le calendrier, vous pouvez le retrouver dans le drive, dans les rituels. Donc n'hésitez pas, il y a des nouvelles choses qui se mettent à chaque fois dans les dossiers. Donc regardez bien les dossiers. Et bien on va commencer déjà par voir comment est habillé notre petit loup. Puisque même si hier nous ne nous sommes pas vus, moi j'ai quand même habillé petit loup. Bah oui, je n'allais pas le laisser sans vêtements. Alors, si je regarde comment est habillé petit loup aujourd'hui, c'est-à-dire ça va nous donner le jour d'hier. Donc pour les plus grands, et maintenant les plus petits aussi, maintenant vous avez l'habitude. Quel jour étions-nous hier? Quel jour étions-nous hier? Je vous laisse répondre avec une belle phrase. Hier, nous étions... Oui, dimanche, c'est ça, dimanche. Petit loup est habillé avec son manteau bleu jean ou de toutes les couleurs chez vous. Peut-être qu'il y en a qui ont fait des manteaux de toutes les couleurs. Et bien, c'est bon aussi. Donc, hier, nous étions dimanche. Question du jour. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? En faisant une phrase, aujourd'hui nous sommes
premier jour de la semaine? Oui, lundi. Lundi vert. Lundi vert. Oh, il y a encore quelque chose de nouveau, mais décidément. Regardez, il y a, eh oui, le dessin de la maîtresse. Je les ai mis pour chaque jour de la semaine où nous nous voyons. Donc si vous voulez, pareil, le colorier, vous pouvez le retrouver dans le Drive. Donc, aujourd'hui, nous sommes lundi vert. Et lundi combien? Et lundi combien? Si moi, je regarde mon calendrier, je vois que nous sommes le... Montrez-moi une photo. Le... Vous allez avoir besoin de vos deux mains. Le 6. Très bien. Le 6. Nous sommes lundi 6 et est-ce que vous vous rappelez en quel mois nous sommes? Oui, nous sommes au mois d'avril, très bien, avril. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 6 avril. Et bien, hop, je prends mon crayon et je fais une croix pour dire que voilà, nous sommes ici. Et d'ailleurs, je peux cocher aussi toutes les autres cases parce que c'est passé. Le 1er, le 2, le 3, le 4 et le 5. Donc n'hésitez pas, vous la trouverez aussi dans le Drive, donc n'hésitez pas à l'imprimer ou la fabriquer, vous pouvez aussi la fabriquer. Donc nous avons vu le jour d'hier, le jour d'aujourd'hui et le jour de demain. Quel jour serons-nous demain? Les plus grands? Demain, nous serons mardi. Très bien. Mardi rouge. Super. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à compter jusqu'à 6. Tiens, tiens. Nous nous sommes quittés vendredi 3. De combien de cases je vais avancer pour aller jusqu'à 6? Et oui, petit problème de mathématiques. On compte ensemble? 1, 2 et 3 cases. J'avance ma passe à linge de 3 cases. Et bien, il ne nous reste plus qu'à habiller notre petit loup. Donc maintenant, vous devez avoir l'habitude. Vous savez que petit loup, il a de la chance. Il a autant de vêtements que de jours de la semaine. Et grâce à lui, on peut revoir les couleurs. Alors, petit loup, il a un manteau orange, très bien. Un manteau rose. Un manteau vert. Un manteau rouge, super. Un manteau marron. Un manteau bleu. Et le manteau qu'il a sur lui, le manteau couleur bleu jean ou bleu foncé pour certains. Et bien, de quelle couleur allons-nous habiller petit loup aujourd'hui? Je vous laisse réfléchir et arrêter mon doigt quand il le faut. Et oui, nous allons habiller petit loup en vert puisque nous sommes lundi vert. Je lui enlève d'abord son manteau du dimanche. Hop. Pour lui mettre le manteau vert. Voilà. Je range ses vêtements et je vais le placer à sa place habituelle pour qu'il puisse nous écouter l'histoire, l'atelier et la chanson. Oh, tiens, tiens, mais... Il en a écrit des choses, petit loup, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... Alors déjà, il y avait deux anniversaires hier. Bah oui, nous ne sommes pas vus, mais j'ai appris, mon petit doigt m'a dit,
qu'il y avait deux anniversaires. Donc je souhaite un très joyeux anniversaire à Julie et à Hector. Plein de gros bisous, donc ça c'était hier. Et les anniversaires d'aujourd'hui, il y en a aussi, hein, décidément. Joyeux anniversaire à Mexante, Elina, Ryan, Nino et Juline. Donc, très joyeux anniversaire à tout le monde. Et bien, vu que vous êtes nombreux, et puis de toute façon, c'est plus sympa de fêter tous ensemble les anniversaires, on va vous chanter la chanson. Tous ensemble, hein. Vous m'aidez les enfants. Attention, c'est parti. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Super, merci beaucoup les enfants. Et surtout, si c'est votre anniversaire demain, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, dans le chat. Ou sur le Discord, il y a un salon qui a été créé, un salon spécial qui se nomme anniversaire. Donc n'hésitez pas les parents à aller mettre un petit mot avec un jour d'avance. C'est vrai que c'est quand même plus simple pour que je puisse m'organiser avec mon petit loup. Donc les anniversaires c'est fait. Eh ben, on va continuer à chanter, mais cette fois-ci on va chanter la comptine de l'alphabet. C'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais toutes les lettres de l'alphabet. Bravo! Je remets ma chenille en place et n'oublions pas de faire la météo. Moi, je vois le soleil là qui pointe à travers ma fenêtre. Alors, si vous avez vos petites cartes, n'hésitez pas à les sortir et à faire en même temps que moi parce que forcément, la météo ne va pas être pareille si vous habitez ici ou si vous habitez à un autre endroit. Alors, moi, je sors mes grandes cartes pour qu'on voit mieux. Est-ce qu'il y a de l'orage? Est-ce qu'il y a des nuages gris? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de la neige? Est-ce qu'il y a de la pluie ou des éclaircies? Du soleil ou est-ce qu'il y a du vent? Eh bien, je vais regarder par ma fenêtre. Je vous laisse faire pareil et je reviens. Je crois qu'aujourd'hui encore, le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Il y a des éclaircies. J'espère qu'il fait meilleur chez vous. Et voilà pour la météo. Je range mes cartes. Et nous allons passer à mon rituel préféré. Attention! Je sors ma baguette magique. Ma baguette magique pour que vous me disiez votre petit bonheur, c'est-à-dire la chose que vous avez préférée. Alors, voyons voir, moi, mon petit bonheur. Ben, j'ai eu de la chance parce que ce week-end, il a fait très beau et j'ai pu manger dehors sur ma terrasse. Oh, c'était agréable de sentir le soleil venir me caresser la peau. Oh, et vous, c'est quoi votre petit bonheur? Donc, je vous donne ma baguette magique. Je tends mes deux oreilles et je vous écoute. «
De me voir à la télé, oui, il y en a beaucoup qui disent ça. C'est très gentil. Hop, je range ma baguette magique puisque les rituels sont finis. Et après les rituels, on va passer à l'histoire. De retour, écoutons une nouvelle histoire. Cric, crac, croc, je sors de ma poche l'histoire de... Encore un livre imaginaire. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous raconter l'histoire du premier œuf de Pâques avec mes petites marionnettes. Ne bougez pas, je vais les chercher. Le premier œuf de Pâques. Cocoti, cocota ! Voilà que dans la basse-cour, Poulette caquette de sa plus belle voix. Elle vient de pondre son tout premier œuf. Quel bonheur, quelle joie ! Zou, elle le glisse sous son aile et vite elle court, trotte et vole hors du poulailler. Vite, si vite que son œuf glisse et tombe dans la mare au cochon. Oh non ! Le voilà tout couvert de boue. Poulette se précipite, le ramasse et le remet sous son aile. Et court, 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 court. Elle rencontre Rousse. Où cours-tu comme ça, Poulette ? À la fête aux œufs, montrer mon premier œuf. Vraiment ? Si j'étais toi, je n'irais pas. Tu n'es pas assez expérimentée. Tout le monde va se moquer. Cache ton œuf, crois-moi. Mais Poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole vers la prairie. Si vite, si vite, si vite que l'œuf glisse et tombe dans un buisson. Oh non, le voilà tout couvert de feuilles. Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile et elle court, 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 court. Où cours-tu comme ça, Poulette ? À la fête aux œufs, montrer mon premier œuf. Vraiment, si j'étais toi, je n'irais pas. Ton œuf n'est pas assez fin, pas assez délicat. Tout le monde va rigoler. Cache-le, cela vaut mieux. Mais Poulette ne l'écoute pas. Elle court, 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 trotte et vole vers le ruisseau. Si vite que, oh, son œuf glisse et tombe au bord de l'eau. Oh non, le voilà tout couvert de sable. Vite, Poulette se précipite, le ramasse et le remet sous son aile. Et court, 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 court. Elle rencontre une autruche. Où cours-tu comme ça, Poulette ? À la fête aux œufs, montrer mon premier œuf. Ah, vraiment ? Si j'étais toi, je n'irais pas. Ton œuf n'est pas assez gros, voyons. Tu vas te ridiculiser. Cache-le, cela vaut mieux. Mais Poulette ne l'écoute pas. Elle court, trotte et vole vers la colline. Vite, si vite que son œuf glisse et tombe dans les fleurs. Oh non, le voilà couvert de pétales de toutes les couleurs. Poulette se précipite, le ramasse, le remet sous son aile. Et court, 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 court. Où cours-tu comme ça, Poulette ? À la fête aux œufs, montrer mon premier œuf. Vraiment, si j'étais toi, je n'irais pas. Ton œuf n'est pas un œuf de grande lignée. Tu vas choquer l'assemblée. Cache-le, il vaudrait mieux. Mais Poulette ne l'écoute pas. Elle court, 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 trotte
et vole jusqu'au sommet de la montagne, là où niche la reine des poules. C'est elle qui désigne le plus bel œuf à chaque début de printemps. Il y a devant elle toutes sortes d'œufs. Il y a des petits, des gros, des géants, des minuscules, des gris, des bleus, des colorés. Jamais notre poulette n'en a vu autant. Poulette pose son œuf à côté. Le silence s'installe sur la montagne. Tiens, quel drôle d'œuf! Tiens, quel drôle d'œuf! Cocotille, Cocota, le plus bel œuf de l'année est là. Bravo, bravo! Poulette est applaudie, félicitée, y compris par la poule rousse, le rossignol, l'autruche et l'aigle royal. L'œuf de Poulette a tellement été apprécié que la reine des poules a décidé que dorénavant, à chaque début de printemps, les œufs devront tous être décorés. Patati, patata, mon histoire finit comme ça. Alors les enfants, j'espère que vous avez aimé cette histoire et peut-être que certains d'entre vous la connaissez. Je vais vous poser des petites questions pour savoir si vous avez bien compris l'histoire. Parce qu'il y a plein de personnages, donc on va essayer de tous les remettre dans l'ordre. Je range mes personnages pour éviter que vous les voyez. Hop. Et première question. Hop. Où court Poulette ? Rappelez-vous, le personnage principal, c'est Poulette. Où court-elle ? Elle vient de pondre son premier œuf, elle est très fière. Où est-ce qu'elle veut la mener ? À la fête aux œufs, très bien. Elle veut montrer son œuf pour essayer de gagner le concours. Très bien. Autre question. Où est-ce que l'œuf tombe en premier ? Parce que oui, son œuf, hop, je vous remonte l'œuf. Il a vécu plein d'aventures, il est tombé dans plein de choses différentes. Et bien, où est-ce qu'il est tombé en premier ? Dans... Oui, il est tombé dans la boue ! Dans la boue ! Bah dis donc, en décoration, hein, la boue, pas terrible. Il est tombé dans la boue, avec les cochons. Après être tombée dans la boue, Poulette a rencontré quelqu'un. Qui est-ce qu'elle a rencontré ? Quelqu'un qui n'était pas très gentil avec elle, hein, qui avait tendance à se moquer d'elle. Elle a rencontré... Attention, je vais la sortir. Hop ! Elle a rencontré Poule Rousse. Poule Rousse qui se moque d'elle en lui disant « Ton œuf là, jamais tu gagneras le concours avec cet œuf là. » Elle rencontre Poule Rousse. Poulette, elle s'en fiche de ce que lui a dit Poule Rousse et elle continue. Elle court vite, 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 vite. Et où est-ce que son œuf tombe ? Il tombe... Oui, il tombe dans un buisson et il devient vert, il est couvert de feuilles. Il est couvert de feuilles. Très bien. Attention, autre question. Après être tombé dans un buisson, Poulette a encore rencontré un autre personnage. Qui a-t-elle rencontré ? Je vous laisse réfléchir. Elle a rencontré un oiseau qui s'appelle un rossignol. Super ! Elle a rencontré un rossignol qui, même chose, s'est moqué d'elle en disant qu'elle ne gagnera jamais
le concours du plus bel œuf. Poulette, elle, comme d'habitude, elle s'en fiche et elle continue son chemin. Où est-ce que tombe son œuf? Où est-ce que va tomber son œuf? Oui, au bord du ruisseau, dans le sable. En effet, l'œuf, il a été après tout couvert de sable. Ben, je vois que vous avez bien écouté l'histoire. On continue les questions. Après être tombé dans le sable, après que son œuf soit tombé dans le sable, Poulette a encore rencontré quelqu'un. Elle a rencontré... l'autruche. Elle a rencontré l'autruche. Qui, même chose, lui a dit « Ton œuf n'est pas assez gros, jamais tu ne gagneras le concours. » Décidément, pas très sympa ces personnages qu'elle rencontre. Après donc, elle court, elle court, elle court, et son œuf tombe dans les fleurs. Son œuf tombe dans les fleurs, il est tout couvert de pétales de fleurs. Et pour finir, qui est-ce qu'elle rencontre dans l'arbre? Elle rencontre l'aigle royal qui, lui, pareil, se moque d'elle, disant que jamais elle ne gagnera le concours. Mais Poulette s'en fiche et elle continue son chemin jusqu'à rencontrer un personnage qui est un petit peu plus gentil avec elle. Et oui, la reine des poules. Celle qui décide quel œuf est le plus joli. Et qu'est-ce qu'elle décide, cette reine-là? Elle décide de donner le prix à Poulette, car à force que l'œuf soit tombé dans la terre, les feuilles, le sable, les pétales, eh ben, il a été tout décoré et finalement ça a été l'œuf le plus joli. Donc voilà, mes questions sont finies. J'espère, les enfants, que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de faire ces petites marionnettes avec vous. Si vous voulez réécouter l'histoire avec les marionnettes, n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo. Ou sinon, vous pouvez aussi l'écouter lue par quelqu'un d'autre. Et ben, je vais profiter de la pause pour ranger tout mon matériel, toutes mes petites marionnettes. Et vous, pour préparer le matériel pour l'atelier, allez aux toilettes si vous avez envie, vous lavez les mains, rappelez-vous, très important, notre petit loup qui nous montre comment nous laver les mains. Et puis surtout, préparez et vous dégourdir un petit peu les jambes et préparez le matériel pour l'atelier. Je vous rappelle le matériel. Donc vous aurez besoin de farine, de sel fin, de levure chimique ou de bicarbonate alimentaire, des colorants alimentaires si vous en avez, et de l'eau. Au niveau des ustensiles, il faudra un saladier, une cuillère à soupe, une cuillère à café, une fourchette ou un fouet pour mélanger, comme vous préférez, des pots en verre ou en plastique hermétique avec un couvercle, et puis un coloriage de pack que vous avez dû trouver dans le drive. Si ça n'est pas le cas, vous pouvez en imprimer sur internet ou dessiner un lapin, une poule, voilà, tout ce que vous voulez. Et il vous faudra aussi un pinceau. Et ben, je vous laisse préparer le matériel, je vais faire pareil de mon côté et je vous dis à tout de suite.
De retour, j'espère que vous avez eu le temps de préparer tout le matériel devant vous. Et bien, comme d'habitude, on va dire bien de quoi on a besoin. Parce que donc, les parents, c'est très important, dès que vous faites de la cuisine, des choses à fabriquer, du jardinage, tout, c'est très important de nommer tout précisément pour vraiment donner du vocabulaire à votre enfant. Alors, les enfants, pour les ingrédients, j'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'eau. Moi, j'ai rempli un grand verre d'eau. J'ai besoin de bicarbonate de soude ou de levure chimique. Ça dépend ce que vous avez choisi. J'ai besoin de sel fin. J'ai besoin de farine. Et si vous en avez, des colorants alimentaires que vous pouvez aussi remplacer par des épices. Donc ça, c'était au niveau de mes ingrédients. Au niveau de mes ustensiles, j'ai besoin, pour faire mon mélange, d'un... Comment ça s'appelle, ça ? D'un saladier. Très bien. D'un saladier. Bon, ça, vous allez me le dire. Hein, ça, c'est facile. D'une grande cuillère. Très bien. Une cuillère à soupe. D'une fourchette. D'une petite cuillère. Hein, j'ai ma grande cuillère et ma petite cuillère. Ou une cuillère à café. J'ai besoin, pour mettre ce que je vais fabriquer, des pots en verre ou en plastique avec un couvercle. J'ai besoin de mes coloriages ou de mes dessins, ça dépend ce que vous avez choisi. Donc moi, j'ai un lapin et une poule pour Pâques. Et j'ai besoin d'un pinceau. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire quand j'utilise un pinceau? Et oui, on va fabriquer de la peinture, mais une peinture magique, une peinture spéciale, une peinture gonflante, une peinture qui gonfle grâce à la chaleur du micro-ondes. Et bien, j'espère que tout le matériel est prêt. Moi, je suis prête. Et bien, on va commencer la recette. Vous pourrez suivre avec l'image et la recette qui s'affichent sur votre écran. Hop, je prends d'abord mon saladier en premier et je vais y verser 3 cuillères à soupe de farine. Donc là, je prends ma grande cuillère, ma cuillère à soupe, et je vais, hop, je verse une, deux, n'hésitez pas à compter, une, deux, et la dernière, 3. Voilà, mes 3 cuillères de farine. Ensuite, je vais faire la même chose avec mon sel fin. 3 cuillères à soupe de sel fin aussi. Un, deux, et 3. Donc j'ai versé ma farine, mon sel fin. Je vais rajouter, donc là je pose ma grande cuillère, je n'en ai plus besoin. Je prends ma petite cuillère et je vais rajouter une cuillère à café, donc une petite cuillère de bicarbonate ou de levure, ce que vous avez choisi. Et hop, je la verse dans mon mélange. Et là, je vais prendre ma fourchette, ou si vous avez la cuillère ou un fouet, peu importe, et je vais rajouter l'eau au fur et à mesure. Et je vais mélanger en même temps que je rajoute l'eau. Donc attention à ne pas mettre trop d'eau, il faut que la texture soit comme du velouté, hein, comme un yaourt velouté ou de la soupe. Alors, hop,
Je verse mon eau et je mélange en faisant des cercles comme ça, des ronds. Hop, je rajoute. Et je remets encore un petit peu pour éviter que ça fasse des grumeaux. Et là, je mélange bien pour avoir la bonne consistance. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, surtout, hein, si c'est trop compliqué. Là, ça commence à être pas mal. Hein. Ça commence à ressembler à du velouté. Hop. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre mélange, hop, vous allez pouvoir le mettre dans vos pots. Dans vos pots et de autant de pots que de peintures de couleurs différentes que vous voulez faire. Donc moi je vais prendre par contre hop, un entonnoir en plus pour que ça soit plus simple et je verse une partie du mélange dans un pot. Voilà. Je vais faire deux couleurs. Je verse l'autre partie dans un autre pot. Et voilà. Vous allez me dire, c'est une drôle de peinture quand même ça. Bah oui, il faut mettre un petit peu de couleur pour que ça ressemble à de la peinture. Donc là, moi je vais prendre mes colorants alimentaires. Et tiens, pour la poule, bah, j'ai envie de faire de la peinture jaune. Hop, je vais prendre mon colorant jaune et je vais rajouter quelques gouttes de jaune. Puis mélanger. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de jaune. Alors n'hésitez pas aussi à faire des mélanges de couleurs. Donc, pour vous aider pour les mélanges, j'ai mis dans le drive une affiche sur les mélanges. Parce qu'il faut prendre en compte que la pâte elle est déjà un petit peu jaune beige. Donc du coup il faut prendre ça en compte avant de faire son mélange. Hop, donc moi j'ai du jaune et puis je vais mettre un peu de rouge dans l'autre pour faire de la peinture rouge. Comme ça, je ferai la crête de la poule. Tac. Et je prends ma cuillère pour mélanger. Voilà, j'ai obtenu de la peinture, une sorte de peinture, hein, parce que elle est rigolote cette peinture-là, de la peinture jaune et de la peinture rouge. Et bien, il ne me reste plus qu'à prendre mon dessin et peindre comme si c'était de la peinture, de la gouache ou de l'acrylique dont vous vous servez à l'école. Ou à la maison. Et surtout là par contre il faut mettre quand même une bonne couche de peinture pour qu'après
ça puisse bien gonfler. Je vous laisse faire de votre côté. Oh, voilà, c'est peut-être un peu rose ce que j'ai fait. Je vais remettre un petit peu de colorant rouge. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, que je vois vos beaux dessins, vos belles peintures. Là, surtout, il faut mettre beaucoup de peinture. Hop. On essaye de bien respecter les gros traits. N'hésitez pas à repasser pour qu'il y ait bien de la peinture en bonne couche partout. Ben, je vais lui faire aussi sa tête rouge, rose. Je vais passer en changeant de pinceau. Au bec. Et au corps de la poule. Son aile. Du corps. J'espère à la maison que vous avez des plus gros pinceaux que moi, parce que moi j'ai des tout petits pinceaux, mais du coup ça prend du temps. Et comme ça vous avez tout le temps de peindre aussi. Par contre, la dernière étape, je ne la ferai pas devant vous puisqu'il va falloir utiliser un micro-ondes. Donc la dernière étape, eh ben, moi je vous conseille quand même de mettre la feuille sur une assiette et donc de la passer au micro-ondes tout en surveillant quand même, de le passer entre 10-20 secondes à 750 watts. Donc là par contre, hein, demandez bien de l'aide de vos parents. Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer la poule, ce que ça donne. Mais par contre, j'avais quand même fait un essai avec un éléphant. Donc je peux vous montrer ce que ça donne avec mon éléphant. Voilà, on voit que ça a gonflé par endroits. Donc ça fait bien la peau de l'éléphant, la peau rugueuse de l'éléphant. Et ben voilà, mon atelier est fini. Je vous laisse finir de votre côté le temps que je range tout ça avant de passer à la comptine. Et n'oubliez pas de refermer vos pots si vous voulez conserver. N'oubliez pas de refermer vos pots. Si vous voulez conserver la peinture, donc je vous conseille de la mettre au frigo.
Et bien sûr, les enfants, n'essayez pas de la manger. Hop. Tac. Et moi, je la mettrai au micro-ondes après la comptine. Et bien, l'atelier est fini. Passons maintenant à la comptine. De retour pour apprendre, ou plutôt pour chanter avec moi, parce que je suis sûre que cette comptine-là, vous la connaissez. C'est une comptine bien connue, qui parle, et ben je vous laisse la découvrir. C'est parti! Une poule sur un mur, qui picore du pain dur, picotit. Alors, les enfants, est-ce que vous la connaissiez, cette comptine? Sans doute. Mais par contre, je vais vous montrer les gestes. Peut-être que les gestes, vous ne les connaissez pas. Donc, comme d'habitude, je chante la première phrase, je vous montre les gestes et on répète ensemble. Alors, une poule sur un mur. Donc là, on met sa main bien à plat, la paume vers le ciel. On prend son index de l'autre main. Et on marche comme ça, avec son index. Une poule sur un mur. Et quand on a fini, parce qu'on ne va pas marcher dans le vide, on repart ici. Une poule sur un mur. À vous. Une poule sur un mur. Super. Qui picore du pain dur. Alors, on peut dire picore ou picote. Peut-être que vous avez appris picote. Il y a deux façons. Donc, toujours pareil, hein, on fait la poule qui va picorer. Qui picore du pain dur. À vous. Qui picore du pain dur. Super. On recommence. Une poule jusqu'à du pain dur. Attention. Une poule sur un mur. Qui picore. Picore du pain dur. Super. Picotis. Donc là, on continue à piquer. Hein, comme elle pique les petits grains de blé. Picotis. Picota. À vous. Picotis. Picota. Là, ça change un petit peu les gestes. Lève la queue. On fait hein, la queue de la poule qui se lève. Lève la queue comme un espèce de serpent. Lève la queue et puis s'en va. Et là, s'en va, on est étonné, donc on met les deux poings sur les hanches et puis s'en va. Super. On recommence, lève la queue et puis s'en va. Non, lève la queue d'abord et après on recommencera et puis s'en va. Lève la queue, à vous. Lève la queue et puis s'en va. Et puis s'en va. Super. On recommence tout depuis le début avec les gestes et après je vous remettrai le petit dessin animé et vous pourrez chanter bien fort avec les gestes. On recommence tout sans musique d'abord. Attention. Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picotit, picota, lève la queue et puis s'en va. Super! Eh bien, je tends bien mes oreilles pour vous entendre chanter et j'ouvre mes yeux pour voir vos gestes. C'est parti! Une poule sur un mur qui picore du pain dur. Picotit, picota, lève la queue et puis s'en va.
super les enfants, bravo pour les gestes et je vous ai bien entendu chanter bien fort. Super. Eh bien, l'émission est déjà finie, mais bien sûr, avant de nous quitter, je vous rappelle le matériel qu'il faut pour demain. Demain, nous allons fabriquer des petits lapins de Pâques. Donc, il vous faudra soit la peinture gonflante d'aujourd'hui ou une autre peinture, peu importe, un pinceau, des feutres, le rouleau de papier toilette, par contre, je vous conseille de le peindre avant l'émission pour qu'on puisse nous faire juste l'assemblage des différents éléments du lapin, des feuilles de couleur, ciseaux, colle, laine, yeux mobiles, tout ce qui vous passe par la tête, des paillettes, tout ce que vous voulez pour faire un petit lapin de Pâques très joli. Avant de nous quitter, je vais chercher mon chapeau pour vous envoyer un nouveau défi. Attention. Défi pour demain. Oh, ça c'est rigolo aussi. J'espère que vous avez d'autres rouleaux de papier toilette que celui que vous avez gardé pour le lapin. Il va falloir me faire une tête rigolote avec des trombones. Donc tous ces petits défis pour les parents qui nous rejoignent, c'est pour travailler la motricité fine, pour que vos enfants se musclent les doigts pour après mieux tenir le crayon, mieux tenir les ciseaux. Donc ça sert après pour les plus grandes classes. Donc si vous avez des trombones, essayez d'en mettre tout autour du rouleau de papier toilette pour lui faire une tête rigolote. Alors là, c'est des trombones de couleur, mais si vous avez des trombones classiques, ça va très bien aussi. Donc moi, je le ferai et j'espère voir vos photos. Hop. Et je remets surtout mon chapeau pour les autres jours. Avant de nous quitter, il y a une petite surprise pour certains enfants. Eh bien, je vous laisse regarder cette surprise, les enfants. C'est parti. Bonjour, bonjour à toute la communauté de la Maîtresse Parents Live. Je suis enseignante à l'école maternelle Marin Fournier à Clichy, dans une classe de moyenne et grande section. Je tenais tout d'abord à remercier Marie-Solène pour ses lives. C'est vraiment une source d'inspiration et très enrichissante pour moi. Et c'est grâce à toi, Marie-Solène, que j'ai réussi à franchir le cap et à créer ma propre chaîne YouTube pour aider au mieux mes élèves et accompagner les parents dans l'apprentissage de leurs enfants. Mes petits chouchous, coucou mes élèves, coucou les moyens grands de la classe 3 de Marin Fournier. Pour vous féliciter, je suis très contente de vous, de votre investissement pendant ces 3 semaines de confinement. Je voulais montrer un petit peu des retours à tout le monde. Vos retours que vous m'avez envoyés. Alors, j'ai pas tout mis, hein, mais j'ai pensé à tous mes petits élèves. Sauf Mama Thiema et Pénélope, je vous fais des gros bisous. J'ai pas pu, c'est trop compliqué. Vous m'avez envoyé des retours que en vidéo. Alors, je pense fort à vous. Je vous fais des gros bisous, Mama Thiema et Pénélope. C'était trop compliqué de montrer les vidéos. Je suis très fière de vous, mes élèves, très très fière. Et un grand merci aux parents d'avoir été là pour votre enfant. Et voilà, je vous fais plein de bisous, mes petits chats. Alors, pour ceux à qui ça intéresse, je vous présente voilà, ma chaîne YouTube, c'est Maîtresse Ninon. Alors, vous y trouverez plein d'activités à faire avec votre enfant. Il y a aussi des comptines, des chansons, des lectures d'albums. Allez faire un tour et si ça vous plaît, abonnez-vous. Voilà, encore merci, merci beaucoup Marie-Solène pour la source d'inspiration que tu es. Je vous fais plein de bisous. Je souhaite de très bonnes vacances à mes petits élèves chéris ainsi qu'à tous les élèves de la zone C. Gros gros bisous. Bisous les moyens grands. Alors, j'espère que certains enfants ont reconnu leur maîtresse. Et ben moi aussi, je te remercie, maîtresse Ninon, et je te mets le lien de ta chaîne YouTube, parce que tu as beaucoup de courage d'avoir commencé une chaîne, en description. Et ben ça y est, l'émission se termine. Donc, avant la fin, je voulais quand même remercier toute mon équipe, Prosper, Emma, Florent, Le Namek, Ronan,
toutes les enseignantes qui m'aident, qui me donnent des ressources, surtout à propos des enseignantes pour les vidéos. Donc c'est super, il y en a qui commencent à m'envoyer des vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer les vidéos dans le Drive, c'est pareil, c'est dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire un petit coucou à vos élèves. Et puis aussi, je voulais remercier Ben qui fait le cadre en même temps que Ronan. Et puis bah, les enfants, je vous dis, n'oubliez pas de bien peindre votre rouleau de papier toilette pour demain. Et je vous dis à demain. Petit coquin, re.